Donc on vient positionner la baudruche, ensuite on ferme le moule et on envoie de l'air comprimé à l'intérieur pour presser la peau contre la paroi. Donc ça permet d'avoir des densités de fibres assez élevées. Le fait de diminuer la densité du calotin permet une meilleure absorption du choc sur le dessus. Et ensuite, tous ces canaux permettent au polystyrène, lors du choc, de mieux s'écraser aussi et d'améliorer la capacité d'absorption des chocs, tout en favorisant en fait un circuit d'air qui est assez intéressant. L'avantage, on va dire, de pouvoir supprimer la partie avant de la sangle, donc de dégager complètement le champ de vision et le visage des cavaliers. Et entre autres, le fait d'avoir un point de rotation qui soit en bas, comme ça offre une grande stabilité au casque sur la tête. De garder cette pièce très technique, donc de la faire en composite, voir à la fois cette solidité dans le sens vertical et à la fois cette flexion dont on a besoin pour pouvoir chausser le casque.